tous. Eh, c'est bien d'arriver par le rideau aussi, hein, finalement. Hein. Mais, aussi. Et puis au moins, on peut voir les cadeaux qu'il va y avoir. Là, on sait, il n'y a rien. Vincent et Bill, on vous aime. Mais nous aussi, on vous aime. La plaine 49 vous regarde. Garde à vous. Salut, mon bon Bill. Bonjour, mon ami Vincent. Ça va, t'as la patate? Moi, j'ai la patate. Non, je suis fatigué. L'alarme chez moi à 6h30 du matin s'est déclenchée. On ne saura jamais pourquoi. Vous voyez? En plus, c'est un peu ça. Eh ben, je ne me suis pas rendormi. Et moi, si j'ai pas mes 14 heures de sommeil... Hein, je vais dormir une heure ou deux, puis je reviendrai. Il y a 5 deals, il y a un big deal, il y a un coup de téléphone. Et parmi les deals, il y a le... Bigathlon. Heureusement que t'es là, toi, hein, parce alors vraiment. Hein. Le bigathlon, les cagnottes commencent à monter. La dernière fois, elle est tombée à un quart de seconde près. Et heureusement qu'il y avait le ralenti. Il y aura peut-être encore le ralenti. Voici, pour démonter la roue et la remonter, l'ami Raphaël. Merci, les filles. Bonsoir Raphaël et bienvenue au Picasso. Mécanicien? Non. Non? Quelle est la profession qui vous rapproche de ce que vous allez faire? Pas trop, je suis opérateur d'enseignement. Ouais. Dans les télécoms. Hein? Vous vous êtes entraîné? Un petit peu. D'accord. Ouais. Dans les mêmes conditions, vous avez suivi le principe, c'est une roue 4 boulons. Ouais, 4 boulons. Les goujons sont serrés à une certaine pression, qui est accessible. Hein. Une femme peut le démonter sans aucun problème, il n'y a pas de clé pneumatique. Ouais. C'est à la croix. Il faudra, à mon top, sortir de la voiture, ouvrir l'autre porte, sortir le matériel qui se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire le cric rouleur, la croix, la barre. Il faudra monter la voiture sur le cric, enlever la roue, la remettre, descendre la voiture du cric, ranger tout le matériel et claquer la porte conducteur. Le chronomètre s'arrête à ce moment-là. D'accord. Alors attention, il y a beaucoup de gens qui ne pensent, une fois qu'on a descendu le cric, il y a un coup de clé final à donner. Hein, parce que sinon la roue est chaleureuse. Alors, vous jouez pour 10 000 francs, il faut faire toute cette opération, Bill, en moins de... Eh bien, il faut faire 1 minute 38. Raphaël, mettez-vous au volant, je vous prie. Si on avait su qu'on avait un cochon, on aurait fait un autre car, mais enfin... C'est un ménage, hein. Ouais, ben, c'est fini, oui. Fermez-la. La porte, hein, là. Bon, non, ben, je ne permettrai pas. Attention, je dis... La caméra, hein, pour la finale, hein, tu n'oublies pas, hein, parce que c'est important, il y a 10 000 balles à gagner. 3, 2, 1, top, c'est parti. 1 minute 38, mesdames et messieurs. Il va falloir faire très, très fort. Notre ami, la dernière fois, a quelque peu perdu un peu de temps. Déjà, lui a trouvé la bonne douille du premier coup. On met le cric rouleur sous la voiture. On commence à le monter, bien évidemment, sans la barre. Voilà, on enchaîne avec la barre. Bien! Bien! Non, non! Monsieur est efficace! On est à 30 secondes, vous êtes largement dans les temps! Aïe, 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 là, on perd du temps, là. Ça se démonte à la main, pratiquement. Oui, bien, ça roule. Ah, on perd un poil de temps, là, sur ce coup-là, Raphaël. Mais on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Ah, un coup pour rien. On a perdu 5 secondes, là, sur ce coup-là. 45 secondes, vous êtes un peu moins à la moitié du temps. Et on peut pas dire que la moitié du boulot soit effectuée. Allez, 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 il faut sortir la roue, la poser et la remettre. 1 minute. Bon, Raphaël, tu te dépêches, on va jamais être à l'heure, mon chou. Oh, il est gentil, mais alors il est pas efficace. La roue, on la pose. Allez, voilà, c'est bon, on la remet. Vite, 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 vite. On est bien, là, on est bien. 15. Ah. Alors 1 minute 20. En plus, j'ai froid, la porte est ouverte. Raffi, dépêche-toi, mon Raffi. Ah, j'ai l'impression, Vincent, que c'est très mal parti. On est... Aïe, 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 on est mal. 5, 4, 3, 2, 1. C'est raté. Bigathlon, c'est pas bon. Et comment je rentre, moi? Aïe. C'est dommage, hein, vous avez perdu. Hein, on va pas serrer la main. On va s'embrasser tout de suite. Là, voilà. Comme ça. Bon, eh ben, grâce à vous, la cagnotte est à 20 000 francs. Et pour démonter cette roue, il faudra toujours battre le précédent record d'une minute 39 à 1 minute 38. Merci d'avoir été avec nous. Repassez par là où vous êtes venus.
Évidemment, il y a un certain avantage au bigathlon, c'est qu'on peut participer au Big League plus vite, mais on a plus de chances de repartir sans rien. Bill, un mot, un geste, et tu fais le reste. Faites gaffe, il n'y a qu'un boulot. Hein. Dis-moi, mon ami Vincent, je peux te poser une question. Vous voyez, la roue, là, elle fait comme ça, là. Vous voyez, par exemple, la roue, elle fait comme ça, là. Voilà. On a l'impression que ça roule bien, mais alors, vu de face, tu vois, tout de suite, c'est... Oui. Alors, ça le fait beaucoup moins bien. Hein. D'accord, oui, très bien. Donc, je vais dire, t'as un petit problème, toi, en attendant. Vous pouvez jouer au jeu de billes, c'est ça que Vincent voulait que je dise. Hop là. Eh oui, il vous suffit de découvrir, hop là, un numéro qui va apparaître trois fois. Quand vous l'avez vu, vous faites le 08 36 66 90 03 ou 36 15 code TFA. Ça va mieux, Vincent, la roue, elle est bien remise. Et vous recevrez les trois chèques de 1000 francs que j'offre tous les jours. Ça va, Vincent, t'étais bien remis, là. Le top 3, tout de suite, avec Karim. Bonsoir Bill. Bonsoir Karine. Bonsoir tout le monde. Karine, Bill, Karine. Vous faites quoi dans la vie? Je suis animatrice avec des enfants. C'est bien ça. Voilà. Vous faites ça combien d'heures par jour? Non, je fais ça simplement le mercredi, vendredi, samedi. Et sinon, le reste du temps, je suis surveillante dans un lycée. Moi, je veux être planté tous les jours. Hein. C'est vous qui surveillez les heures de colle, voilà, tout ça, tout à machin. Fait. Exactement. Eh, dame, j'étais pas puni, mais je suis venu quand même. Vous êtes fiancée, belle comme vous êtes, ou mariée même? Non, même pas. Même pas, rien? Même pas. Un petit casse-croûte, un sandwich? Ouais, fait 3-4. Non, non plus. Non plus. Vous avez envie de nous chanter quelque chose ou éventuellement. Ou faire un peu de tricot, je sais pas. Éventuellement, une petite chanson. Le chanteur, par exemple. De Daniel Balavoine. C'est lui-même. À la bonne heure. On y va, c'est parti. Allez. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie. Être aimé. Être beau, gagner de l'argent. Mais surtout être intelligent. Mais pour tout ça, il faudrait que je bosse à plein temps. Et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi. Que les filles soient nues, qu'elles se jettent sur moi. Qu'elle m'attire, qu'elle me tue, qu'elle s'arrache ma vertu. Voilà. Ouais. Voici Aspect. Comment ça lie à ça? Ça va, toi? Vite. Bien. Tranquille. Patrick, j'ai oublié. Joséphine. Josette, non, Luce, Raymond. Géraldine. Gérald, non. Karine. Karine. Ça va, Karine? Ça va, merci. Tranquille. Déconneuse, celle-là. Eh, Vincent, attends, tu sais quoi? Ouais. Avant de commencer toute chose, j'ai un petit truc, il faut que tu m'expliques. Ouais. J'ai reçu une lettre ce matin. Ouais. Alors, je m'appelle Elodie, j'ai 11 ans. Ça, on n'y croit pas, que tu t'appelles Aspect. Hein. Non, regarde. J'adore ce que tu fais dans le Big Deal et surtout quand tu fais du scratch avec tes disques. On regarde le Big Deal parce que c'est l'émission la plus rigolote dans la télé. Bélec, peux-tu m'envoyer une photo dédicacée de toute l'équipe et de toi, même de Vincent, Bill et les gaffettes? Mon père dit toujours à ma mère que Vincent, il met pas de slip sous son costume et à chaque fois, elle rigole pendant qu'elle prépare à manger. Attends, c'est abusé. Mais... Ah Vince, faut que tu m'expliques ça. Quel âge elle a, la gamine? Elle a 11 ans. 11 ans. 11 ans. Ça prend des belles choses. Moi... Yes. Écoutez, bien, d'accord, ce sera avec plaisir que je vous montrerai mes dessous. Seulement, je me demande comment elle sait que je n'ai pas de dessous, donc je n'ai rien à vous montrer. Bien, allez, une petite démo à la Flyos. T'as rien oublié? Non. Bon, on va envoyer un petit peu la gouache. Ça entraîne, hein? Ah ouais. Bien, à partir de maintenant, vous avez 15 secondes pour me donner un titre. Et il me faut le titre exact si c'est un titre français. Bien, si c'est un titre étranger, vous dansez un peu, ça le fera. D'accord. Allez, premier morceau, on écoute. Allez, voilà, Karine, un petit morceau croustillant. Eminem. Yes.
je ne connais pas, donc vous dites Eminem. Eminem. C'est l'interprète, Eminem, et c'est ça. Accordé. Et c'est accordé. Eh ben si, toi. Ah, oh, alors. Please stand up. Please stand up. Oui. Oh, Lionel. Comme ça commence bien. C'est chouette, non? Un très plateau chouette. Avec merci. Des petites langues de chat. Comme ça, vous ne la donnerez pas, la langue au chat. 126 points. Non, c'est bien. Allez, ce soir, ça pulvérise massif. Prince, sans regarder le public, vous n'allez pas tout trouver, hein. Ah bah si, là c'est pas. Ah bah non. Accordé, je suis obligé. C'est très fort, Karine. C'est gagné. Allez, le deuxième. Vous êtes en train de nous faire un festival, là. Karine. Robert. Ah, bien. Ah, voilà, alors ça, je pense que ça va super. Bien, ben, ça, c'est super. Pour faire de la gym, ouais. C'est des accessoires hein? De gym. Ah, tu t'allonges comme ça et... ça et... ça bouge comme ça. Ça fait... Ah, bien, c'est super. Voilà, et ça, ça vaut donc 1978 francs. Hein. Quand même, c'est chouette. C'est bien, c'est gentil. Merci, ah, bon, ça, vous êtes gentil, Karine. Et vous n'avez pas fini, pour l'instant, vous êtes en train de nous faire le grand chelem. Hein. Le cadeau de daube, un cadeau intermédiaire, finissez avec la boîte à clés. Moi, je dis respect. Hein. Aspect. Ouais, c'est typique. Allez. Bravo, c'est un sang. Trois titres étrangers. Donnez. Allez, le dernier. Lynn ou Jimmy? Lynn. Ah, il est léger. Il est léger. Eh ben tiens, regarde donc. La boîte à clé. Vous avez trouvé la boîte à clé. C'est donc pour vous, Karine. Pour la première fois dans l'émission, je vais le faire. Je m'incline devant vous. Bravo. Oui, parce que c'était particulièrement difficile de trouver trois titres étrangers. Vous avez trouvé les trois interprètes. Bravo. Bon, Eminem, qui n'était pas évident. Donc vous avez, et je ne compte pas la boîte à clé, bien évidemment, vous avez gagné 2104 francs. Mais bravo, vous êtes très fort. Hein. Très fort. Ah, vraiment, je suis énervé. Oh, ceci. Oui. Donc, 2104 francs plus la boîte à clé, pardon. Ou le rideau. Je vais consulter ma petite sœur. Où est-elle? Le rideau, j'arrête. Je prends la boîte à clé. Non, j'ai gagné des cadeaux sympas et puis je suis sportive, donc ça me convient tout à fait. Je vais prendre la boîte à clé. Allez, regardez s'il y avait derrière le rideau. Eh bien, il y avait un lot de robots ménagers d'une valeur de 4328 francs quand même, le tout, hein. Incroyable. Quart de tour et on tire. Allez-y. Découvrez un quart de tour vers l'arrière en bas, voilà, et tirez maintenant, tirez, voilà. Et vous avez gagné une clé d'hôtel. Oui, ça, vous partez dans un hôtel 4 étoiles. Où ça? À Melun-Plage. Non. Extraordinaire. Non, pardon, c'est pas ça que je voulais dire. Vous partez en Italie dans une des villes les plus historiques, les plus, comment dirais-je, celle qui a du cachet, puisque c'est Florence. Pendant une semaine, Florence, l'histoire de l'Italie, très bien. La peinture, de l'art italien. 12 533 francs. Je vais décider. Ne regardez pas comme ça. Hein. Vous allez y aller avec qui? Je vais décider, je sais pas. Vous faites quoi après l'émission? Karine, on se retrouve avec plaisir tout à l'heure pour le Big Deal. Merci de votre visite. Aspect, comme d'habitude, classe, élégante, top moment. Tranquille. Les filles, à tout à l'heure. Comme le gueule et loustique, on chante. Chantal, c'est à vous, Chantal. Calme-toi. Vas-y, pousse. Mais regarde, Chantal, je suis sympathique. Elle est mignonne. Comme tout, Chantal, venez nous retrouver. Bonsoir, Chantal. Bonsoir, Vincent. Vous allez bien? Oui. Bonsoir, Bill. Chantal, Bill. Bonsoir, Chantal. Bonsoir, Chantal.
Je suis enchanté. Vous êtes marié, vous avez un époux. J'ai un casse-croûte. Il est là? Non, je suis avec mon fils et ma petite fille. Où est votre fils? Ah, le bel homme. Oh, qu'ils sont mignons tous les deux. Bonjour, mademoiselle. Elle est charmante. Un peu meumeu, peut-être, hein, Didi, Didi. Ah, c'est ma petite fille, je suis grand-mère. Hein. Ah, vous êtes grand-mère? Mais déjà, vous n'avez pas fini de grandir, que déjà, vous êtes grand-mère. Je vais vous proposer 4 problèmes. Et chaque fois, je vous offrirai plusieurs solutions. Il faudra me donner la bonne solution pour résoudre ce problème. C'est un nouveau jeu et ça s'appelle Truc Astuce. Alors, venez par là, on va les laisser installer le matos. Voilà, 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 voilà. Bien, approchez-vous, rappelez-moi votre... Chantal. Chantal, ici, il y a la solution de tous nos problèmes. Seulement, on ne peut pas l'ouvrir. Dommage. Les 4 problèmes que je vais vous... auxquels je vais vous soumettre sont les suivants. Comment faire disparaître... Comment faire disparaître sur une nappe ou une serviette une trace, tache, coulure de bougie? Un autre problème. Comment faire disparaître, mais quasiment instantanément, les odeurs d'une pompe qui pue? Mais un déodorant. Attendez. Un œuf dur ne rentre pas dans une carafe sans appuyer dessus, sans le dépouiller. Comment faire rentrer l'œuf dans la carafe? Attendez. Ici, on a des œufs. Est-ce qu'ils sont durs? Est-ce qu'ils sont frais? Comment découvrir un œuf dur d'un œuf frais? Attendez. J'ai les solutions. D'accord. Comment faire disparaître la tache de cire? Voici les solutions que nous vous proposons. Petit 1, avec de l'essence de térébenthine. Petit 2, en la grattant au cutter. Petit 3, un buvard, un fer à repasser. E3. Vous prenez un buvard, un fer à repasser? Oui. On essaye ça? Oui. Si ça ne marche pas, vous êtes mal, hein? Je suis sûr que ça marche. D'accord, on va essayer ça tout de suite. Essayez là, regardez pas dans ma boîte à malice. Quoi n'est-ce qu'il y a? Là. Tenez, voilà, déjà un fer. Attention, il est chaud, hein? Voilà. Et du papier buvard, enfin non, c'est du papier toilette, quoi, c'est... Ah, il y a encore. Il est pas assez chaud. Oui, mais on l'a mis à chauffer, là. Ah, d'accord. C'est-à-dire que dans 20 minutes, c'est bon. Au moment du big deal, quoi. Eh, n'empêche que le fer n'est pas assez chaud, bien sûr, mais c'est la bonne réponse, bravo. Bienvenue dans la boutique de la gaffe. Aujourd'hui, avec Chantal, nous allons découvrir comment faire pour éviter la pompe qui pue. Vous avez un mari qui a les pieds qui puent. Oh, le salaud! Comment faire, Chantal? Donnez-nous la recette. Regardez ce que nous vous proposons. Alors, avec un citron écrasé, c'est-à-dire qu'il a les pieds mouillés, avec du charbon et du thym, il se pique les pieds, il a les pieds noirs, ou avec un sac de glace. Vite avant le gong. Vous dites avec du charbon et bah du thym. Oui. On garde ça? Oui. On garde ça? Oui. C'est une excellente réponse! Il suffit... Ben c'est bien, on donne le truc en même temps. Oui. Il suffit de prendre, mesdames et messieurs, une chaussette. Le mieux, c'est de prendre une chaussette qui pue pas à la base, hein, quand même. Hein, dans laquelle vous renversez le charbon. Puis, vous mettez... Allez-y, Chantal, je vous en prie, donnez-moi un coup de main. Le thym, voilà. Hop, c'est une bonne réponse. On met le tout dans la chaussure et ça fait disparaître les mauvaises odeurs. Bien. Ah, bien. Bon. On en a 2 sur 4. On est parti pour faire un grand chelem. Les 2 derniers sont peut-être un petit peu plus difficiles. Les tentez-vous? Ou laissez-vous tomber et prenez le rideau, de toute façon, on cherchera à savoir. C'est toujours le même principe, je vous donne 3 propositions, à vous de trouver la bonne. Il y a un truc, il y a une astuce. C'est le truc astuce. Chantal? Je continue. On continue, on est là pour s'amuser. Allez, rideau. Eh bien donc, vous ne partirez pas en Suède pendant 6 jours et 7 nuits. Non, c'est l'inverse. La Suède, c'est un pays merveilleux, très beau et qu'on ne connaît pas assez d'ailleurs. 14 508 francs quand même, monsieur Vincent Lacan. Alors, 2 autres deals.
une carafe, un œuf dur. Je voudrais que l'œuf dur rentre dans la carafe. Comment qu'est-ce que je vais faire? Chauffe les trois propositions que je vais vous faire sur l'écran tout de suite. Avec une ventouse, avec un coton enflammé ou un bouchon de liège. Le 2. Un coton enflammé? Ben oui. Allez, il faudra le faire, hein. Il faudra nous montrer. Hein. Le 2. Vous dites le 2? Oui. Bien, on dit le 2. Je veux voir. Attendez, j'ai le matos. Elle est pas dans la merde! Alors, vous faites attention, car je vais vous faire peur. Tain! Gabi, on peut la voir au ralenti? Oui, voilà, là, là, on met le feu et... Pouf! Ouais! Dernier deal! Trouvez-moi un œuf dur, trouvez-moi un œuf frais. Là, j'ai pas besoin de répondre, là. Non, j'en vais pas céder. Non, elle va me mettre sur la gueule, elle va dire, vous voyez, celui-là, il est frais. Alors, avec un verre de vinaigre, avec du sel ou avec le 3. Le 3. Vous croyez? Essayez. Ça, c'est quoi? C'est un œuf frais, ça. C'est gagné! C'est la bonne technique. Avec une rotation, il est vrai que l'œuf dur tourne sur lui-même. Voilà. Tandis que l'œuf frais, lui, et c'est pareil, Christophe Colomb m'avait dit, un œuf dur, tu le fais tenir debout, comme ça. Va essayer avec un œuf. Ça ne le fait pas non plus. Hein. Merci beaucoup, Chantal. Chantal, c'est le grand chelem, bravo. Venez là, venez là. Attention! Aide! Il y a des mouettes en haut. Ben heureusement qu'elle a fait que pondre, hein, parce que, vu la taille de la mouette, c'est un grand chelem. On enlève les traces de cire avec un fer et un buvard, les odeurs avec du charbon et du thym, on fait rentrer un œuf dans une carafe avec un coton enflammé, et on fait tourner un œuf sur lui-même pour savoir s'il est dur ou s'il est frais. Bill, 4 fois combien, rapport? Je le savais, mon ami, qui me le demanderait un jour ou l'autre. 15 francs, 60 francs gagnés. Formidable, extraordinaire, je rigole. Il y a 2500 francs par bonne réponse, c'est un grand chelem, ça fait donc 10 000 francs. C'est vrai? Allez, cool! Il n'y a même pas à discuter. Non, c'est très bien. Et puis très bien gagné, hein. Bravo, bien. Sans faute, sans hésitation. Content. Très bien. Pas de rideau? Non. Alors, rideau. Eh bien, vous n'en voulez pas, pourtant, eux aussi avaient des trucs et des astuces. Les barbes à papa. Vous avez drôlement bien joué. Attention à l'œuf. Attention à l'œuf. Venez nous retrouver pour le Big Deal. Le jeu de mille avec Delphine, s'il vous plaît. Delphine. Bonsoir, Vincent. Bonsoir. Delphine, vous allez bien? Très bien. Delphine, je vais remettre votre micro parce que en mélangeant nos corps, nous avons quelque peu. Nous sommes heurtés. Bonsoir, Delphine, je vous présente Bill, Delphine, Delphine, le public. Le public. Bonjour, Delphine. Le public. Delphine, vous êtes charmante. Merci. Et il y a certains dictons que j'aime beaucoup. Ah oui. Vous faites quoi dans la vie? Assistante de direction. Ouais, je suis sûr que votre patron aussi doit aimer certains dictons. C'est mon frère, le patron. Raté. Ah bah, il peut quand même, c'est pas parce que c'est sa sœur que les dictons. Alors? Ah non, non. Vous êtes fiancée, mariée? Du tout. Très bien. Libre comme l'air. Et elle s'en vante, la gueuse. On va jouer avec Bill. Allez, Delphine, mettez le casque sur vos oreilles. Il est là, votre frère?
Non. Il travaille. Et vous êtes venu avec qui? Avec ma maman. Ah, avec votre maman. Où est madame votre mère? Vous avez une fille charmante. Cette famille. Oui, c'est vrai. Ça va lui faire plaisir. Oui. Mettez le casque sur vos oreilles, bel enfant. Bill, qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui? Un extraterrestre célibataire? Non, pardon, un lieu, excuse-moi. Oh, tu la cherches, tu vas la trouver, hein. Ah, oui. Comment j'ai osé dire ça, je te demande pardon. Un lieu. Un lieu. Allez. Oh, j'ai honte. Tu peux. Premier indice, dingo, transmutation audio-corvisuelle. Coucou. Alors, pour un informaticien, je suis une interface pour faire entrer ou sortir les données. C'est ça? On peut dire ça comme ça, c'est vrai. Un petit bisou. Voilà. Un interface pour faire entrer ou sortir des données. Oui. Un lieu. Non, un modèle, alors, c'est pas ça. Le gong a sonné. Non. Oui. Deuxième indice. Oui. Parce que non. Non. Oui. Deuxième indice. Deuxième indice. Je suis le nom d'un chef-lieu de la Réunion. Salut, Bill. Oui. Ça va, Rosa? Oui, ça va être là. Oui, ça va. J'y vais. C'est joli. Vas-y, c'est joli. Un lieu de la Réunion. Un chef-lieu de la Réunion. Pourtant, j'y suis allée. Ah, ouais. La Réunion avec votre frère? J'ai l'air en pleine forme. Troisième indice. Cherche un lieu. Lorsque je suis dû, on me paye à la réception. Oui. Ah, bah oui. Bon alors, dingo! Il est dû, on le paye à la réception, c'est... Un prix... Un prix dû. Oh bah alors! Je sais pas du tout. Oh non, bah alors! Non! Ah si, moi c'est le troisième indice qui m'a fait trouver. Ah bah pas du tout. Ouais. Eh bien le quatrième va vous faire trouver car il est très facile. Hein, le quatrième indice, c'est bien, c'est bien. Bonsoir. Alors, quatrième indice, oui. Je peux être de plaisance ou d'attache. Un port. Un port, le port dur. Oui. Un port de plaisance, un port d'attache. Merci, Jimmy. Eh oui. Pour un informaticien, je suis une interface pour faire entrer ou sortir les données. C'est ce qu'on appelle un port série ou un port parallèle. Oui. Je suis le nom d'un chef-lieu de la Réunion. Le port. Dans l'arrondissement. Oui, le port qui est dans l'arrondissement de Saint-Paul. Eh oui, le port. Bah, voilà. Et puis fort nu et port d'attache, port de plaisance. Bon, hey, on a gagné 7000 francs, on s'en sort bien. Vous pouvez enlever votre casque et je vous propose tout de suite de me dire si vous voulez rejouer votre argent. Ouais. Vous avez envie de rejouer vos 7000 francs? Alors là, il y a le rideau ou l'écran. Le rideau. Le rideau. Le rideau. Vous le sentez comme ça? Ouais. Vous savez que dans l'un des deux, c'est les bonbons, hein. Bah c'est pas grave, j'adore ça. Alors regardez ce que vous avez gagné. Eh bien, vous les vouliez, vous les avez, les bonbons, Bill. C'est un très mauvais choix, Delphine. Les bonbons de 110 francs, c'est un très mauvais choix. Et tu veux savoir pourquoi, mon ami Vincent? Parce que dans l'écran, il y avait quoi? Eh ben, à ton avis, qu'est-ce qu'il y a quatre roues qui fait broum-broum? Oh non. Quoi, la voiture. La voiture à 65 900 francs. Eh oui. Ça met légèrement les boules. Ça énerve, hein. Ouais, oh, c'est pas grave, je suis venu pour jouer. Si, bah ouais, mais vous aviez 7000 francs, vous pouviez repartir avec une voiture à plus de 60 000, vous repartez avec 200 balles de bonbons. Comme quoi, j'ai non, de la chance. Non, moi aussi, ça énerve un peu, hein. Delphine, on se retrouve tout à l'heure pour le Big Deal. Merci de votre visite, Delphine. Et 7000 francs. Oh non, je rejoue. Non, je suis venu pour jouer. Et les bonbons. Ah bon, il y avait quoi? Et la voiture. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Je m'attendais à une jeune fille, là, je crois qu'on s'est trompé. Non, on s'est trompé, là, oui. Quel est votre prénom? C'est un jeune homme, Pierre. Pierre, vous êtes un jeune homme de... Un jeune homme déjà qui a passé les 70 ans. Un jeune homme mûr? Mûr. Ah oui. Faites quoi du haut de vos 70 ans? Rien. Ouais, alors, et moi je dis bravo, je dis respect, bravo. Quel bonheur. Et que faisiez-vous avant de ne rien faire? J'étais dans la police nationale. Dans la police nationale? Voilà. Combien de temps dans la police? Pardon? Combien de temps dans la police? J'ai fait 30 ans dans la police. Et vous êtes toujours vivant? Et je suis retraité depuis l'âge de 50 ans.
Ça fait 20 ans que vous êtes retraité? Ça fait 27 ans. Et alors, vous faites plus rien du tout? Non. Si, je fais toujours du sport, un petit peu. Non, mais... Je vis en bord de mer. Et vous vivez de votre retraite de policier? Voilà. Mais c'est pas énorme, une retraite de policier. Ah non, mais j'ai pas que ça, quand même. Ah oui, non, c'est ça? Non. Oui, d'accord. Vous avez épousé la fille d'un propriétaire de banque suisse? Non, j'ai un père qui est né avant moi. Ah, d'accord, à la bonne heure. Bon, je vais vous poser une question. Oui. Une question qui, à cette date, vous a vu, car vous étiez né à l'époque. D'accord. En 1615. Oui. Oui, c'était hier, avant-hier. Le Romanche, ça s'écrit R-O-M-A-N-C-H-E. Oui. Le Romanche est depuis 1938 l'une des langues officielles d'un pays. De quel pays s'agit-il, si vous avez la réponse après la pub? Je connais la réponse, je vous la donnerai après la pub. D'accord, donnez-moi la réponse après la pub et rappelez-moi votre prénom. Pierre. Pierre, je vous offre 5000 francs après la pub. Je trouve. Ok? Ok. Allez, pub. Pour la fête d'Halloween sur le Big Deal, dévoile ton côté démon avec M&M's. Bientôt la fin de cette émission. En attendant, nous sommes au téléphone et nous sommes avec Pierre, à qui j'ai posé la question suivante. Le Romanche est depuis 1938 l'une des langues officielles d'un pays. Romanche, c'est relativement facile. Vous me répondez Pierre pour 5000 francs. Voilà, alors le Romanche, c'est la quatrième langue nationale de la Suisse, de la Confédération Suisse, avec le français, l'italien et l'allemand. C'est gagné. Bravo. Bon, ben ça nous fait 5000 francs. Pierre, oui. Qu'est-ce que vous en faites de ces 5000 francs? Oui, bah non, je garde l'argent. Oui, je crois que c'est sage, Pierre. Voilà. Quoique. Voilà. On s'est sûr? Voilà. On n'y revient plus? On n'y revient plus. Regardez ce qu'il y avait derrière le rideau. Eh bien, il y avait une magnifique télévision pour regarder Vincent et Bill de plus près en 16/9 et en couleur, d'une valeur de 9 990 francs. C'est quand même pas mal comme cadeau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, Pierre? Ah oui, ça fait rien, c'est pas grave. 5000 francs net d'impôts, quand on est retraité, ça fait quand même un joli week-end en perspective. Ça, voilà. Hein, week-end à 5000. Voilà. Lundi, il va pas être frais, Pierrot. Bien sûr. Pierre, je vous souhaite une excellente soirée. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Au revoir, Pierre. Non. Ouais. Allez, le dernier deal, je vous propose d'accueillir en première partie Frédéric ou José, je ne sais pas encore. José. Bonsoir Vincent. Bonsoir José. Bonsoir Bill, bonsoir le public. Bonsoir José. Joli gilet. Donc vous êtes deux frères. Deux frères. Frédéric et José. Voilà. D'accord. Mariés avec deux sœurs. Elles-mêmes sœurs. D'accord. Le même jour. Par souci d'économie? Non, pas du tout. Non, du tout. Vous n'êtes pas jumeaux avec pas Frédéric? Pas du tout, non. Et elles ne sont pas jumelles? Non. Et vous avez fait chacun des enfants avec chacune des sœurs? Moi trois. D'accord, mais avec la même? Avec la même, bien sûr. C'est-à-dire la même sœur? La même femme. Une femme. Voilà. Qui est donc la même sœur. La même sœur. Voilà, on ne change pas. D'ailleurs, je suis marié avec la sœur de ma belle-sœur. Oui, bon, allez. Ah. Alors. Elles sont là. Elles sont dans le public. Où sont-elles? Ah, ben voilà. Les casse-croûtes sont là-bas. Alors, mesdames. Alors, à droite, Nadine, mon épouse. Madame, ça y est, la bienvenue. La sœur d'Isabelle, ma belle-sœur. C'est qui Isabelle? Celle qui est à sa gauche. Votre épouse? Non, ma belle-sœur. Isabelle. Nadine, c'est votre femme. C'est ma femme. Isabelle, c'est la sœur de Nadine. Oui. Donc votre belle-sœur. Ma belle-sœur. Et l'épouse de mon frère. La femme de Frédéric. Tout à fait. Donc Frédéric est le beau-frère de Nadine. Nadine, voilà. Et vous êtes le beau-frère de Isabelle. Voilà. Oh oui, tu le tiens, Vincent, surtout tu lâches plus rien. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir, Vincent. Ça va bonsoir, bien Bill. Oui, ça va très bien. Bonsoir, public. Bonsoir, Frédéric. Alors, Frédéric est donc plus jeune que vous. Plus jeune. D'accord, ça se voit. Hein. Ouais, merci. Merci, Vincent. Frédéric, vous avez les yeux bandés, vous êtes dans le noir absolu, vous n'avez pour repère que les ordres que votre frère José va vous donner dans les oreilles. Oui. Vous avez dans les mains une perche. Au bout de cette perche, il y a une caméra étanche, car la caméra est dans l'eau. D'accord. Il va falloir que vous indiquiez dans quel sens déplacer la caméra pour pouvoir lire les inscriptions qu'il y a au fond du bassin. D'accord. Alors, c'est à droite, à gauche, en haut, en bas. Tourne vers la gauche, tourne vers la droite. Parce que la caméra est à tous les... C'est con, une caméra. Hein.
Alors, il y a combien de temps, Bill, pour découvrir la nature des cadeaux? Eh bien, mon ami Vincent, j'ai des choses importantes à dire. D'abord, il y a 1 minute et 30 secondes. Et ensuite, il y a pour 28 449 francs de cadeaux. Mais comme ce sont deux frères qui ont épousé deux sœurs, j'ai décidé, moi, Bill Premier, de tout multiplier par deux. Merci, Bill. C'est-à-dire que vous gagnerez à chaque fois que vous trouverez un cadeau. Il n'y en aura pas un, mais il y en aura deux. Alors, à mon top, on fera apparaître sur l'écran le fond de la piscine et le chronomètre partira, se décomptera jusqu'à 1 minute 30 à 45 secondes. Je vous propose un deal. Top chrono, c'est parti. Voyons ce qu'il y a dans l'écran. Alors, il faut déplacer la caméra. Avance, Frédéric, avance, avance, avance. Et, il ne peut pas avancer avance. Beaucoup, sinon il rentre dans l'eau. Hein. À droite, à droite. Il ne voit rien du tout. À droite, à droite, à droite, à droite. Recule, recule, recule. Tourne, tourne, tourne. Avance, 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 avance. Descends, descends. Non, avance. Ah, là, là, on a quelque chose. Si on le lit par au-dessus. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Non. À droite, à droite. Non. À gauche. Tourne, 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 tourne. Par au-dessus. Ah, là, là-bas, il y a quelque chose d'écrit. À droite, à droite, à droite, à droite, à droite. Tourne vers ta droite. Voilà. Vers, voilà. Maintenant, voilà. Alors, non, non, non. Là, ah, là. Bouge plus. Un peu à. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Un barbecue. Un barbecue plus ta langouste. Stop. Alors donc, un barbecue avec des langoustes à 1200 francs, ça fait deux barbecues avec deux langoustes, ça fait 2400 francs déjà. 45 secondes se sont écoulées et vous avez gagné un cadeau, vous avez sauvé les meubles. Non, ok, bien. L'affaire est bonne. Soit vous continuez et vous ne faites qu'accroître votre capital, ouais. Soit vous arrêtez là, vous prenez le rideau. Si vous continuez, le capital acquis, vous pourrez le rejouer contre le rideau. Il y en a pour 28 000 de cadeaux et là vous n'avez découvert que le truc à 1002. Ouais. Bon, ça veut continue. Dire qu'il y en a encore pour plus de 25 000 balles. Oui, beaucoup plus, il y en a pour 56 890. Oui, il y en a pour 56 000 francs. Allez, on continue. 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 Allez, s'il y avait derrière le rideau. C'est dommage, vous perdez la voiture. Non, 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 je rigole. Je rigole pour la vie, Vincent. C'est un magnifique requin, un petit peu comme Billy, notre ami chanteur. Lui aussi, il chante, il est extraordinaire et il vaut 100 francs. Tiens, bah, regarde-le. Ah oui, il chante, dis donc. C'est vachement bien, ça. Pour endormir un enfant, c'est super. Allez, il reste 45 secondes. On remet l'image dans l'écran pour voir. Voilà, OK, top chrono, c'est reparti. Allez, sur ta gauche, sur ta gauche, sur ta gauche. Vas-y, 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 stop. Reviens un peu. Ah, bougez plus, voilà, c'est bon, là. Moi, j'arrive à le lire. Bouge plus. Avance un peu, sur ta gauche, sur ta gauche, sur ta gauche. Voilà, stop. Hey, tournez-vous. Une quartière. Oui, on enchaîne. Donc deux quartières. Continue, Fred. Vas-y. Hop. Bougez plus. Une lampe, c'est ça? Non. Un caméscope. Un caméscope, oui, allez, on continue. Le caméscope est gagné. Vas-y, Fred. À droite. 7. Encore, vas-y, hop. Encore à droite. À gauche. 4. Gauche, 1. Il n'y a plus rien. C'était par la droite. Mes amis, c'est terminé. Combien y avait-il de cadeaux en tout dans le fond, Bill? Alors, il y avait pour 28 449 francs de cadeaux multipliés par 2, donc 56 000. Il y avait un ordinateur portable à gagner, par exemple. Donc deux ordinateurs portables à 23 980 francs. Il y avait aussi deux week-ends de 3 jours à Juan-les-Pins. d'une valeur de 7 195 francs, merci. Deux caméscopes donc que nous avons trouvés à 13 980 francs. Les barbecues ont été trouvés à 2400 francs. Il y avait deux cafetières à trouver que vous avez trouvées à 1398 francs. Il restait deux serviettes à 690 francs et deux poissons à 60 francs. Donc je crois que à part l'ordinateur et le week-end, vous avez trouvé les jolis cadeaux. Donc vous avez gagné pour un total en tout et pour tout de 17 778 francs. Allez, on va demander à Frédéric de venir nous retrouver sur le plateau. Bill va faire sa petite annonce. Il va nous rappeler après pour combien on en a gagné. Vous allez décider ce que vous faites de tout ça. Okay, allez, Bill, on t'écoute. Très bien, mon ami Vincent. Oui, j'ai des choses importantes à dire. Alors, vous le savez, les candidats finalistes ne repartiront pas les mains vides. Oh non, 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 pas cette fois. Ah non, tu apprends à faire le coup à chaque fois. Ça, c'est un démon. Ça veut dire qu'ici, un démon, il y a aussi les bonbons. Extraordinaire. Car les candidats ont gagné un paquet spécial Halloween de M&M's orange et marron. Avec en plus, et ça, c'est quand même top, cool, c'est chouette, le petit distributeur. Regardez, je baisse la main, toc, et les bonbons tombent. C'est cool. Toi, t'as une tête de copain en plus.
Et en plus, ils ont gagné, merci, ils ont gagné un abonnement de 1 an au magazine Télé Loisirs. Les candidats finalistes, hein. Oui, et tiens, bah voilà Télé Loisirs. Bonjour, comment tu vas? Tu as de très très jolies couleurs, tu es beau. Sans mentir, si l'autre, il est encore parti. Bon, enfin voilà, toujours grâce à lui maintenant, oui. C'est vous, les Terriens, vous pouvez gagner un séjour de ski à Valmeignier d'une semaine pour 4 personnes en demi-pension. Regardez, Valmeignier... Voilà, c'était de ce côté, on me l'avait pas dit. Voici mon indice. Mon hurlement est devenu célèbre. Mais qui suis-je? Si vous avez trouvé pour participer au tirage au sort, envoyez votre réponse au bulletin Télé Loisirs ou sur papier libre à l'adresse qui s'affiche juste devant moi. Voilà. Voici Frédéric. Hey Bonsoir Vincent. Bonsoir Bill. Bonsoir public. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Touchez-lui la main, vous allez voir, il fait froid dehors. Hein. Bon, il y en a pour Bill, rappelle-nous, car José n'a pas tout entendu. Alors, il y en a en tout pour une somme coquette de 17 778 francs. Coquette, pas coquette. Barbecue, oui. Cafetière. Allez, le rideau. Barbecue, caméscope, cafetière. Alors, rideau. Rideau. Allez, rideau. Oh, les aventuriers. Les aventuriers qui ont gagné un tapis de bain. Et un seul, pas deux, un seul tapis de bain à 359 francs. Bah oui, c'est le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu. Qu'est-ce que vous voulez y faire? On ne peut rien y faire. Cela dit, en plus, j'ai l'impression que vous n'êtes pas bien placé. Je crois qu'il y a... On va savoir ça tout de suite. Voici le Big Deal. Venez par là. Et oui, c'est le Big Deal. Le célèbre Big Deal. Et cette fois, sont nominés au Big Deal. Karine en première position avec 14 637 francs. Chantal, deuxième. Truc et astuce, 10 000 francs. Frédéric et José, la chasse au trésor, le tapis de bain, 359 francs. Et enfin, Delphine qui a vu passer devant elle une voiture qui n'aura que les bonbons à 210 francs. Ben donc, alors. Donc. Non, je pense que donc. Je vais partir en Italie. C'est bien l'Italie, oui, ça vous plaît? Oui. Vous le sentez bien, ça? Je le sens bien. Bien que vous ne sachiez pas avec qui partir encore? Tout à fait. D'accord. Vous nous enverrez une petite carte, c'est sans sympa. Problème. On aime bien savoir que vous êtes parti et puis vous êtes revenu aussi. Oui. Merci d'avoir été avec nous. Prenez la queue, restez avec nous. Chantal, vous gagnez 10 000 francs. L'affaire est excellente, on n'en parle plus. Chantal, ça a été un plaisir. Moi aussi, Vincent. De vous recevoir. Vous êtes une fort belle grand-mère. Merci. Non, nous, on va garder. Ce qui est dit, est dit. Hey, mais ils sont deux à parler. Hein. Et là, il y aura ballotage. Ah, je suis le plus vieux. Hein. En plus. S'il vous plaît. Je suis navré, je suis désolé. Je suis désolé. Vous n'êtes pas trop déçus? Ah, du tout. On a passé un bon moment. Je me suis bien amusé. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Allez, à nous. José, Frédéric, trois propositions. Une seule est la bonne. Une est pas mal et une est regrettable. Nous avons en magasin la sœur avec le bateau, le frère avec le soleil et la mère avec le dalmatien. Qui prendrait la sœur? Un bateau, les voyages, hein, c'est peut-être le cadeau intermédiaire. Hein. La fleur? Ouais, le frère, non, hein, c'est pas votre truc. Hein. Le chien et la mère? Et puis c'est tout, hein. Il y en a qui n'ont pas voté, ben tant pis, ils voteront plus, ceux-là. Alors. Chantal? La mère. Karine? Oui? Oui, aussi. La mère. La mère? Alors, nous deux. Bah, on va éliminer la sœur? Ouais. Puisque le public n'est pas trop d'accord pour la sœur. Les filles? La sœur? On élimine la sœur. On élimine la sœur. On élimine la sœur? Ouais. Sans regret? Non, sans regret. Parce que c'est multiplié par deux, hein. Autant ils mettent deux bagnoles ce soir. Bah, peut-être. À savoir. À savoir. La sœur? On élimine la sœur. On élimine la sœur! Eh bien, tant pis pour vous! Tant pis pour vous! Vous n'êtes venus donc que pour cela! Et ce moment est terminé! Vous étiez venu gagner la télévision magnétoscope cassette à 10 342 francs! C'est raté! Là, j'aime bien ce moment de l'émission, là. Et bien là, d'un coup, on se sent tout petit. Hein. Ouais. Et on donc, est déjà pas grand. Qui prendrait le frère? La mère? Il y en a qui dorment encore. Hein. La mère. Oui. La mère. La mère. La mère. La mère. Dans l'ensemble, c'est bien la mère. Hein. Il va pour la mère? Comme on n'a plus notre maman, on va voter pour la mère. Il va pour la mère. On va la ramener un petit peu le temps d'un instant. Ça, ouais. La mère, ça vous va? La mère, ouais. Donc à l'unanimité, 25 chacun, 100%, la mère. La mère!
Eh bien voilà, je n'aurais donc pas tout sauvé. Aujourd'hui, vous avez rejoint Tapis de Bain pour du sucre à 500 francs. Eh bien, vous n'êtes pas perdant. Vous n'êtes pas perdant. C'est un peu mieux. D'un tapis à 350, vous passez à 500 balles de sucre. C'est bon. Pas mal. Ben, c'est mieux, non? En cas de pénurie, vous serez gâtés. Ouais. Merci d'avoir été avec nous. Tel est le jeu, tel est la dure loi de ce jeu. Fort jolie voiture qui restera parmi les voitures de Big Deal. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une excellente soirée. Salut, mon mobile. Au revoir, mon ami Vincent. Au revoir, la voiture à 69 francs. Bon week-end, les filles.